Bonjour à tous, c'est Sandra pour À la Loupe Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette de saison hyper simple et vraiment délicieuse, un gratin de pommes de terre à l'ail des ours. Pour la liste des ingrédients, pour 3 ou 4 personnes, il nous faudra environ 1 kg de pommes de terre, ici j'en ai 1,3 kg, une vingtaine de feuilles d'ail des ours. Celle-ci vient de la forêt, à côté de la maison. Ma belle-mère qui est partie en randonnée nous en a ramené, en allant chercher du muguet. Voilà, donc ça se présente comme ça, avec des petites fleurs blanches. Les feuilles ressemblent un petit peu à celles du muguet, mais ne vous y trompez pas. Les feuilles du muguet ne sont pas comestibles, contrairement à celles de l'ail des ours. Vous pouvez aussi en trouver normalement dans les magasins bio. On est en pleine saison. On va prendre aussi un petit peu de thym, 100 g de beurre, 25 cl de crème fraîche, environ 100 g de fromage. Moi j'ai pris du Grana Padano, vous pouvez prendre le fromage de votre choix. 1 litre de lait demi-écrémé et du sel et du poivre. C'est parti pour la recette. On commence tout naturellement par éplucher les pommes de terre. On va les laver à l'eau claire et ensuite on les découpe en rondelles assez épaisses. Voilà le résultat. Je vais ensuite m'occuper des feuilles d'ail des ours. Je les rince bien à l'eau vinaigrée et je les émince finement. Dans une cocotte, je fais fondre mon beurre. Donc il y a la quantité de beurre, c'est pour apporter un petit peu de gourmandise à tout ça. J'ajoute ensuite mes pommes de terre, mon ail des ours émincé et je remue. Je vais laisser risseler environ 5-6 minutes les pommes de terre pour qu'elles s'enrobent bien de beurre. J'ajoute une petite pincée de gros sel ou de sel fin, hein, mais moi j'en avais plus assez du sel fin, donc j'ajoute du gros sel, ça va fondre à la cuisson de toute façon. Et je couvre de lait. Je vais mettre le couvercle et laisser cuire tranquillement pendant 20-25 minutes. Pendant ce temps-là, je râpe mon fromage. Voilà, au bout de 20-25 minutes, je remue un petit peu. Je regarde comment ça se passe. Je plante la lame d'un couteau pour vérifier la cuisson. Et c'est tout bon. Donc je les égoutte. Vous pouvez garder le lait pour faire une autre préparation, comme une béchamel par exemple. Je verse les pommes de terre dans un plat gratin. Je n'oublie pas de retirer le thym. J'étale mes petites pommes de terre et je les recouvre d'ail des ours. Je dépose ensuite ma crème, suivie du fromage râpé. Et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés jusqu'à ce que ça gratine, donc environ 20-25 minutes. Et voilà, à la sortie du four, ça sent super bon, un très bon gratin à l'ail des ours, hyper gourmand et crémeux. On va se découper une petite part. Là on est juste à la sortie du four, la crème est encore bien liquide, mais si vous lui laissez le temps de bien tiédir, la crème enrobera encore plus les pommes de terre. Ça a un léger goût d'ail, vraiment délicieux, hyper gourmand, hyper crémeux, à manger nature avec une salade, ou bien accompagné d'une viande ou d'un poisson. Heureuse d'avoir découvert l'ail des ours. J'espère que cette recette vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Je vous souhaite un excellent appétit, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur À la Loupe Cuisine. À bientôt, bye!